أنا مالي إلا صديق. On s'en souvient, bien sûr, comment ne pas s'en souvenir. Tunis, janvier 2011, un peuple, tout un peuple en colère, chassait son tyran. On en a plein le cul de lui, de ses conneries. On veut qu'il dégage, qu'il dégage. Une révolte sociale nommée Révolution. Celle du jasmin, paraît-il. Celle de la dignité, en vérité. Pour les Tunisiens et pour le monde arabe en général, la liberté était enfin gagnée au prix du sang. Ce film est du côté des artistes tunisiens. Ils incarnent cette liberté d'expression, tour à tour brimée, conquise et sans cesse menacée. Leurs œuvres, parfois, s'inspirent des changements et les éclairent, souvent. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé pour les créateurs tunisiens? Mais qu'est-ce qui a vraiment changé en Tunisie? Un rendez-vous de parole et de liberté. Ils ou elles sont cinéastes, rappeurs, metteurs en scène, danseuses, plasticiennes, humoristes. C'est leur histoire qu'ils vont nous raconter, leur histoire. Celle de la dictature, celle de la révolution, celle des temps islamistes, celle de leurs espérances et celle de leurs craintes. Bataille toujours, hier, demain. Artistes en Tunisie. La chanteuse Alia Selami se souvient des silences, de la peur et des nuits profondes, comme des tombeaux. Une berceuse d'avant pour un peuple alors enchaîné. Dors, mon peuple, dors. Le roi Ben Ali veille sur toi. Un conte de fées, un président pharaon omniprésent sur tous les murs, dans toutes les têtes, et sa femme, Leïla, la toute puissante, règne sur un peuple heureux, mais heureux à en pleurer. Les touristes abondent, si, Hansen, Dolce Vita, à bon marché, la misère est cachée, bien cachée, loin du littoral. On ne parle jamais de politique, c'est tout. Sinon, c'est la prison ou la torture, pour les islamistes surtout, avec la complicité bienveillante et silencieuse des pays occidentaux et du Fonds monétaire international. Un paradis, on vous dit. Le pays de l'excellence, doit-on vous le répéter. C'était taisez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avait même peur de parler entre nous. Les étudiants à Paris avaient peur de parler entre eux parce que dans chaque milieu, il y avait des cafeteurs. Dans un taxi ou n'importe où, entre nous, on se méfiait de nous-mêmes. Et surtout, il y a une autre chose aussi, on ne savait pas qui on était. Ils ont toujours manipulé notre image. Parce que le cinéma, la musique, le théâtre, tout ça a été super contrôlé avec la censure. On donnait l'image qu'on voulait bien qu'on nous laisse donner. «
flatter, plaire, complaire au roi, au prince, aux commissions de censure, aux fonctionnaires castrateurs et sévères. Festivals officiels, arts subventionnés et dociles fleurissaient sous l'œil vigilant des flics de la culture. Lotfi Bouchnek était une star parmi les stars. Depuis la Révolution, une mauvaise réputation du col à la peau. Celle d'avoir été proche, trop proche, du dictateur déchu et un révolutionnaire bien tardif. Un caméléon, dit-on. J'ai chanté pour toutes les causes, pour la liberté, pour la fraternité, pour la tolérance, pour le Dieu, pour la démocratie. Toute ma carrière. Mais alors, d'où vient cette réputation ? La réussite, tu payes la facture de la réussite. C'est pas chez moi, c'est nous, c'est partout dans le monde. Il y a des gens qui cherchent la petite bête. À démolir ? Bien sûr. Je suis pas aussi fragile que ça. Je suis pas aussi bête que ça pour tomber dans leur jeu. Moi, je crois en Dieu et je crois au travail et l'honnêteté. Tu peux pas. Il y a toujours la justice divine. Tu peux jouer avec tout, sauf avec l'art. Alors là, il y a toutes vos décorations. Voilà. De partout du monde, du Canada, de l'Amérique, de la France, du Maroc. Bien sûr, les décorations de Brali. J'ai commencé par le troisième degré, puis jusqu'au premier degré. Et je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit et enlever quoi que ce soit. On n'enlève pas Benelli. Jamais. J'ai eu cette décoration. C'est bien écrit, c'est au nom du peuple. Je l'ai eu au nom du peuple, pas au nom du président. Et ici, je mérite toute cette décoration-là. C'est pas celle-ci que je vais pas les mériter. C'est mon droit. Insultes sur les réseaux sociaux, difficultés pour jouer dans tous les grands festivals, les mois suivant la Révolution étaient difficiles pour Lotfi Bouchnek, qui s'est pourtant accroché, fort du soutien de son public. Tu sais, c'était facile aussi de se laisser porter par l'ancien régime. Il y a comme ça une espèce de miroir aux alouettes qui fait que on peut se laisser prendre facilement. Mmh. Moi, j'ai été décorée par l'ancien régime. J'ai été décorée par le ministre de la Culture qui m'a remis l'ordre du mérite. Et j'avais accepté cette médaille. Et je l'ai acceptée, cette médaille. Donc je suis une vendue. Pour pouvoir créer, il fallait, pour beaucoup, accepter de se taire ou de s'auto-censurer. La compromission n'était jamais très loin, à moins bien sûr d'avoir le courage de supporter les foudres du régime. Nawel Skandrani se souvient bien de ces années-là où alors, directrice du Ballet National, elle dépendait directement de l'administration Benelli. On est rentré en conflit très vite. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris les dérives de l'administration. Ou parce que j'étais directrice du Ballet National, il fallait que j'aie une carte du parti. Donc je leur ai demandé... C'est vrai? Oui, bien sûr. Et c'était une humiliation parce que ça voulait dire, OK, maintenant, parce que tu es contractuel et que tu as un poste de directeur, ça y est, on t'a acheté, donc tu es rentré dans les rangs. Comme quand on m'a demandé de signer un manifeste de soutien à la candidature de Ben Ali, que j'ai refusé. J'ai refusé beaucoup de choses, donc elle a commencé à m'humilier petit à petit. À un moment donné, dans l'administration, on m'a fermé les toilettes à clé. Je ne pouvais plus aller aux toilettes. J'allais pisser dans le café du coin. Je ne voulais pas céder. Fermeture des toilettes, oui, mais surtout des locaux et salles de répétition, grandes ou petites humiliations. De toutes ces brimades, Nawel Skandrani a tiré un spectacle, Harcèlement. Une évocation de ce temps où les artistes tunisiens se cognaient violemment
aux quatre murs d'une prison à ciel ouvert. Comme si on n'existait pas en tant qu'être humain, c'est tout. Je ne sais pas ce que j'ai laissé comme plume là-dedans. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui ont été en prison, qui ont été poussés à l'exil, qui ont été torturés. On ne m'a pas enlevé mon passeport, on ne m'a pas... Ce n'est pas ça. Mais cette humiliation, elle casse. Elle casse, elle laisse quand même des séquelles. Il y a beaucoup de victimes de ce genre de système. C'est un gouvernement qui a foutu en l'air le pays. Pour son propre bien, et c'est même pas un bien, c'est un bien complètement futile, c'est un bien qui a détruit le pays, qui a foutu en l'air toutes les bâtisses, qui a renié l'histoire, qui a détruit le pays, qui a détruit même la jeunesse, quoi. Quand on voit des jeunes qui ne connaissent pas la valeur d'un livre, ils ont changé les valeurs, ils ont changé la donne du pays, je trouve. La culture même, l'essence, ils l'ont anéanti. Et ça, pour que ça se reconstruise, il va falloir énormément de temps. Alors Eismaan revisite à travers un moyen métrage au titre en forme de manifeste ou de programme, n'importe quoi, les années Ben Ali. Dans 5 minutes, on va fermer la porte. Ceux qui veulent regarder le film, c'est maintenant ou jamais. Sinon, au. Ce film est une fable. Il était une fois un royaume nommé Cupidland. Fric, corruption, beauté artificielle et sottise généralisée y régnaient à tous les étages. À Cupidland, un couple se partageait le pouvoir qu'il dévorait insatiablement. Deux monstres d'ambition, Neila, l'impitoyable et vénale impératrice, et son mari, Mr. Z, sorte de Big Brother qui s'immisçait dans tous les inconscients d'un peuple apparemment soumis et sans aucun avenir. Sayyidati, ana asf, ana sma'atkoum, ana fahamtkoum, omri ma habit nitqawa alikoum. عمري ما حبيت نغزوكم، عمري ما حبيت نسيركم، قررت باش تجيو عندي وبالصفة هذه تحضروا رواحكم لمستقبل زاهر. أنا ما نتمنى لكمش السعادة بالكلام، أنا باش نحققها لكم بالفعل. Plus de deux ans après la révolution, tu éprouves toujours le besoin de parler de Ben Ali, toi. Oui, parce que je pense que pour avancer, il faut remettre les choses à leur place. Il faut donner un nom à ce qui s'est passé. Il ne faut pas avoir peur d'évoquer ce qui s'est passé, tout simplement. Il ne faut pas rester avec les non-dits ou avec de faux jugements. Il faut juste remettre les choses à zéro, dire voilà, ça s'est passé comme ça, c'était comme ça, maintenant on construit. Président dont on ne veut plus, mon 6. L'art, pour se libérer des douleurs du passé, l'art pour raconter la saga d'une époque, ses parjures et ses héros. Un temps révolu désormais. Les semaines, les mois passent, vifs, frémissants. Les Tunisiens découvrent et redécouvrent les libertés, toutes les libertés, sociales, politiques, liberté d'expression, liberté de création aussi. La révolution est déjà un beau, mais lointain souvenir. Nadia Kiari, professeure aux Beaux-Arts, devint Willis from Tunis, caricaturiste politique, s'il vous plaît, avec son chat né au cœur de la révolution. J'ai fait les premiers dessins au départ pour faire rire mon mari, mon beau-frère, les gens qui étaient autour de moi. Parce qu'on était tous très tendus, très angoissés, la situation était difficile. Et c'était aussi un moyen de faire rire même mes proches qui étaient loin de moi pendant ce couvre-feu. Et on a créé ce profil sur Facebook, Willis from Tunis. Et j'ai partagé
ces dessins avec mes proches. En même temps, me disant, bon, on va tester pour voir si c'est vraiment la liberté d'expression, pour voir si ce qu'il dit est vrai. Et j'avais envie de continuer, et j'ai continué à publier les dessins, quoi. J'ai toujours adoré le dessin de presse. On n'a jamais eu l'occasion de le faire réellement ici. Et je me sens complètement libre. C'est une récréation pour moi, quoi, ce chat. Parce que quand je peins ou je dessine, habituellement, je suis quelqu'un de très méticuleux. Je prends énormément de temps pour faire un tout petit dessin. Et là, je le travaille pas du tout. C'est un prétexte. Prétexte à quoi ? C'est un prétexte. C'est une révolution artistique, réellement, quoi. Ma vie est totalement transformée. Pouvoir parler de politique, critiquer le gouvernement, critiquer ce qui ne va pas, j'aurais pas pensé avant, non. Jamais. Ce cri de révolte qui a abouti à cette révolution, à ce bouleversement, a engendré une jeunesse qui est déterminée à aller jusqu'au bout de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a peur de perdre. Ils sont très créatifs. Un nouveau langage, même la langue, a pratiquement éclaté. Il y a une manière de dire, une manière de vivre, une manière de créer, une manière d'affronter le présent, d'affronter les problèmes, qui est tout à fait nouvelle et très forte. On s'est enfin senti vivant. Après cette révolution, quand on était des zombies avant. Maintenant, dans les cafés, ça parle de politique. Avant, ça parlait de foot. Maintenant, on parle de politique et on critique le pouvoir en place. Et ça, c'est délicieux, ça. On ne pourra plus nous enlever, c'est pas possible. La politique, après avoir été quasi absente pendant de longues années, s'est emparée de l'art tunisien, des scènes de théâtre aux poètes de la rue, partout. Les doutes, les débats, les colères et les espérances tonnent et résonnent. Cet art citoyen, cet art de l'échange quotidien ne change peut-être pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est intense, qu'est-ce que nous cimentons comme rapport à l'humain, au quotidien. Et l'humain est d'autant plus précieux et important qu'il est assorti de questions sur le ici et maintenant, sur le vivant, sur le quotidien, sur les choses dont souffrent les gens. Cet échange n'a à nul autre égal. En fait, on ne fait pas de l'art engagé. C'est presque absurde de dire ça. On fait de l'art engageant. C'est-à-dire que nous, on est engagés dedans. Du coup, ça engage les gens. On a cette obligation. Ce devoir d'être utile. Être utile, donner du sens. Mais quel sens donner au retour des islamistes d'exil ? Mais quel sens donner à leur prise de pouvoir en octobre 2011, 9 mois après la révolution ? Quel sens donner aux nouvelles censures, au nom de Dieu, cette fois-ci, qui s'abattirent sur les artistes tunisiens ? Oui, la liberté d'expression est garantie dans la Constitution, mais pas le blasphème ou l'insulte envers Dieu ou notre prophète. Oui, quel sens donner aux droits des femmes limées et reniées dans un pays qui fut à l'avant-garde des libertés de ses citoyennes ? Quel sens donner aux assassinats des leaders de l'opposition laïque ? Quel sens donner ? Qu'attendre de bon, de neuf, en ce pays qui fut à l'origine de ce que l'on appela le printemps arabe ? Être utile, donner du sens et répondre enfin à ces questions, c'est toute l'ambition du Macbeth Made in Tunisia, monté par Anissa Daoud et Lotfi Achour.
On a essayé d'aller jusqu'au bout en posant la question de la profonde de Macbeth, qui est la perpétuation du despotisme, en fait, du fait que du despotisme naît un autre despotisme. Et donc la pièce finit sur une angoisse, elle finit aussi sur les mots. Donc cette image est sur les mots d'un intellectuel tunisien, Youssef Sedir, qui dit la légende, à peu près, je vais essayer de traduire, la mythologie politique de la Tunisie, c'est l'histoire d'une femme qui se bat pour sa liberté et qui arrive à arracher ses droits. Et à chaque fois, quelqu'un vient au dernier moment, elle lui reprend. Du coup, elle retourne à la cuisine, elle fait des enfants. La révolution n'a pas réussi. Pas réussi, selon Anissa et Lotfi, à ébranler suffisamment une culture millénaire de soumission au chef. Alors, bénédiction et allégeance sur scène. Au fil du temps, il s'est construit une pensée politique dans le monde musulman qui était un empire immense. Ouais. Et pour garder l'unité de l'empire, l'idée de cohésion a été poussée jusqu'au point où sortir du rang, remettre en question les dirigeants, risquer de remettre en question la cohésion et l'unité du groupe. Et donc, c'est devenu carrément quelque chose d'interdit politiquement. Mais du coup, tout questionnement est devenu interdit et tabou par extension. Oui. Après la Révolution, pareil, encore terreur, alors que c'est le moment par excellence où on doit se poser les questions, on doit laisser le vide se faire, que les questions résonnent. L'idée a été, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on prenne des décisions, qu'on agisse contre le vide. Il n'y avait plus de code, tout le monde était perdu. Ouais. Il n'y avait plus de pod, il n'y avait plus de père, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait rien. Donc les gens, la nature a peur du vide, je le répète toujours. Et les gens, instinctivement, quand on est perdu, on n'est pas bien, quand on est dans la merde, on n'est pas... C'est la première chose, on commence à prier, on va vers Dieu. Il y a des gens qui vont vers Dieu réellement parce que c'est un truc comme ça, qui vient, une espèce d'illumination, un truc intérieur. Il y a des gens parce que voilà, maintenant c'est bien d'aller là-bas, tout le monde va là-bas. J'en veux aux pseudo-laïcs, aux laïcs. J'en veux à ces démocrates qui n'ont pas arrêté après la Révolution de dire à tous « On est tous musulmans, mais parle pour toi !» De quel droit tu parles pour moi ? Le pouvoir terrestre ayant été brisé, les Tunisiens se tournèrent donc en masse vers la seule autorité ayant résisté à la bourrasque, la mosquée. Psycho M fait partie de ces Tunisiens qui ont voté pour le parti islamiste Ennahda. Psycho M est rappeur, il est proche des salafistes, dit-on. انا ما نحشمش انا الحقيقه لهنا فما عباد تستحي وتحشم فما عباد يقف ويعيط باعلى صوته يقول لك انا مع ما نعرفش انا مع جماعه الجوش وانا مع يتبنى اي فكر يقول لك كارل ماركس ويبدا يقول لي حب عليه هو وان احنا نستحيو باش نقولوا حزب اسلامي هي انا نحب مع حزب مع اي حزب اسلامي باش يوصل للسلطه سبحان الله هكاك انا نحب تطبق الشريعه ترجع دوله الخلافه لكن ديما نعاود نرجع نقول انا ضد معناتها الاستبداد ضد الظلم ضد كل شيء Idole des jeunes des cités de Tunis, aux verbes violents et aux idées tranchantes, Psycho M pourfend les ennemis de l'islam. Ils sont partout, à la lumière et surtout dans l'ombre. Un complot.
تحكم في الليناسيون تغلى حركة سرية اللي اسمها الماسونية تحكم في الاقتصاد في الميليتار وفي السياسة هي تختار اليوم شكون يشد كرسي الرئاسة تقعد عندك في لاليست مع اتباع لونتيكيس اتباع تيدر هاتزل كبارات لي سيونيس لي جويف اللي تملك الاقتصاد والبوفوار اللي تملك السوق تملك الشركات الكبار بلاص بالاسلام جيب الوطنية نحي الدين جيب القومية العربية وبدات في دم تاع كل مسلم عنده وطن شريعة وسنة فزت في النوم في النساء اوكي شو معناتها الشريعة؟ معناتها تعيش في مساواة في البلاد هذه تعيش في عدل تعيش في مستوى اجتماعي به القوي ما يظلمش لأقل من الضعيف ولأقل من العبيد ياخو حق هذه هي شنو الشريعة اللي تعلمنا أنا كان نقول لك كان تسرق تشد 6 أشهر حبس تمشي تسرق وتخرج كان نقول لك تسرق طيب قصولك يدك تولي تخاف ما تسرقش انت ما 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 نحن ما معناتها ما مانيش عاملينها باش يعملوا لك عقاب بينيسيون جوست باش يخوفوك وما طبقتش برشا الشريعه هذه على على مر الزمن قليل وين صارت شفت جو راب بور بليزير لا ما تمنيش لاكتيو لا ما لا شريعة comme une arme de dissuasion massive. Dieu est une solution à tous vos problèmes. Psychoème sait parler aux pauvres qui n'attendent leur salut que d'Allah et espèrent dans un monde au-delà du nôtre. Du côté du paradis. Pour l'heure, les voiles noires s'étendent sur les rues des villes qui se transforment. Souvent, les barbes dévorent les visages et les niqabs masquent le corps des femmes. Le fameux voile islamique inspire une jeune femme libre, une actrice, une danseuse, Amira Chebli. La révolution, pour moi, plus que jamais, la question politique est liée au corps de la femme. Parce que si le monde arabe n'est pas encore prêt pour dire notre problème, c'est la femme, si on n'est pas prêt à dire notre problème, c'est l'interprétation de l'islam qui fait qu'une femme devrait être voilée ou devrait être cachée et qui fait que culturellement, en héritage, le corps nu d'une femme agresse et violent. Est très très violent sur certaines personnes. Si on n'est pas aujourd'hui assez courageux pour le dire à haute voix, c'est qu'on n'est pas prêt à réellement aborder avec toute la franchise nécessaire la question de la liberté d'expression. L'engagement, c'est mon corps, mais je voudrais être honnête aussi pour dire que pour moi, c'est fatigant qu'on en soit là encore. Voilée, dévoilée, j'aurais voulu avoir le luxe d'être ailleurs. Enfin, ne plus me retrouver à discuter avec, comme ça avec engagement, la nudité. Enfin, pour moi, ça devrait être des choses évidentes. Pour moi, c'est très triste que, très triste d'être là, d'être encore là. Non, ce n'est pas évident. Pas évident le corps, pas évident la nudité. Sans parler de Dieu, et surtout de sa représentation. Quelques mois après la révolution, les foules islamistes manifestèrent contre une télé privée, Nesma, qui avait eu l'audace de diffuser le film d'animation Persepolis. Dans cette œuvre, la réalisatrice Marjane Satrapi avait osé figurer Dieu sous les traits bien humains d'un vieux papa barbu, blasphème, insupportable.
il se moque des convictions du peuple musulman. Il se moque de Dieu, il se moque du prophète et il se moque de notre religion, l'islam. Et c'est pas acceptable. Il y a deux Tunisies qui se côtoient pas. Il y a une Tunisie qui est sourde à l'autre. Oui. Ça c'est. Oui, il y a deux Tunisies. Deux Tunisies totalement différentes. Il y a un slammer avec qui j'ai pas mal travaillé qui s'appelle Hatem Karoui. Et il disait, mais moi aujourd'hui j'ai un problème. Parce qu'avant j'écrivais, il y avait la ligne rouge. Et c'était cette espèce de va-et-vient avec la ligne rouge, de rapport de force, de tout ça, avec cette ligne rouge du pouvoir, de la liberté d'expression, etc., qu'on ne pouvait pas franchir. Donc la frôler et tout ça, ça lui donnait beaucoup d'inspiration, ça lui donnait beaucoup de force, etc. Il dit, j'ai un problème, je ne sais plus contre quoi écrire. Je ne sais plus. Donc là, il a trouvé maintenant. Il a trouvé qui ? Et les barbus. Il a trouvé les barbus, il a trouvé l'extrémisme, il a trouvé le côté borné, la bornitude. Le contexte est certainement propice pour d'un point de vue artistique un peu malsain, je veux dire, parce que pour un artiste, c'est toujours très inspirant d'être dans des situations de difficulté. C'est très propice et inspirant, mais il y a une limite. Celle de. Une limite qui est très basique, qui est instinctive, c'est même primitif, c'est rester vivant, c'est de pouvoir bouger réellement. Un crescendo là où les gens qui revendiquent la liberté vont être chassés, lynchés, insultés. Et là, pour le moment, on est en train de vivre dans une société parallèle. Vous avez peur dans la rue, parfois ? Oui, je suis très triste de le dire, mais j'ai... Parce que pour moi, c'est... Cette sensation-là, elle est juste insupportable. Et ça, ne pas pouvoir sortir de chez moi parce que j'ai peur, ça... C'est pas du tout quelque chose que je peux tenir. Et surtout, d'abord, je voudrais le dire parce que je pensais que j'étais plus forte. Et parce que maintenant, je suis réellement dans la phase de gueule de bois. Beaucoup de déceptions, quoi. Je garde une force, mais j'ai peur de l'aigreur, en fait. J'ai vraiment peur d'être aigrie. Parce que je suis entourée de gens qui sont profondément aigris, en fait. La peur, Lotfi Abdelli, le plus célèbre des humoristes tunisiens, l'a ressenti lui aussi. Tout de suite. Plusieurs mois sans oser monter sur scène. Il ne sort jamais sans ses gardes du corps et ce jour-là, c'est la première de son nouveau spectacle. La tension est grande. زندانية نحن هكا عليه نحن الشارع وكنا قبل هنا
on mâche pas les mots quand on est humoriste. Ils ont l'impression que nous, on est contre eux parce que c'est des islamistes. Non. Moi, je suis contre toi parce que tu fais mal les choses. Que tu sois islamiste ou autre chose, ça ne me regarde pas. Je suis content pour toi si tu fais la prière. Peut-être un jour, on se voit au paradis, on va se dire, ça va, tu vas bien. Ah, tu te rappelles quand on est en Tunisie, tout ça, et moi, je faisais des skates sur vous et vous étiez un peu énervés. Non, je m'en fous. Moi, aujourd'hui, tu as un tourisme, tu as des gens qui veulent travailler, tu as des rues à caillasser, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ne me raconte pas des histoires divines. Moi, j'ai pas besoin de toi pour ça. Moi, j'ai besoin d'un mec qui sait conduire une voiture. Est-ce que tu sais conduire ou pas? Même Dieu te demande, est-ce que tu sais conduire ou pas? Si tu sais pas conduire, laisse un mec conduire. الكل يضحك قالوا لبلادك لا تبعثها قالوا يودي ليبيا دخلوا سلاح ما شاء الله قالوا ليكونوميس فر يا الله Pour moi c'est beaucoup plus dur parce que sincèrement avant il y avait des choses que je pouvais pas dire pendant Ben Ali et je les contournais je les disais indirectement là je dis des choses que j'ai jamais dit chez Ben Ali, que j'ai jamais rêvé de dire. Je suis presque, disons, je suis à 90% d'une liberté absolue. 90%, pour ne pas exagérer. C'est énorme pour un pays arabe, pays musulman, la Tunisie, aujourd'hui. 90%. Et en même temps, c'est encore plus dur qu'avant, parce qu'aujourd'hui, la personne qui a envie de casser la gueule, la personne qui a envie de venir te tuer ou te dire des choses, elle vient, elle n'a peur de rien. Avant, les gens avaient peur de... De Ben Ali. De Ben Ali, et il n'y avait que Ben Ali qui prenait l'initiative. Si Ben Ali dit écrasez-le, on l'écrase. Aujourd'hui, n'importe qui va envie de t'écraser, il t'écrase. C'est la liberté, et les gens te disent oui, moi, lui, il ne me plaît pas. Lui, il en fait trop, c'est pas possible aujourd'hui qu'il se moque des gens comme ça. On a l'impression, en fait, d'avoir le droit de parler, librement, mais alors que ce n'est pas le cas. On est passé, en fait, d'un régime de censure à un régime d'autocensure. Où on a une certaine peur, on ne sait plus de quoi on peut parler ou pas. Il n'y a plus de... C'est régi de façon aléatoire. J'ai vu des types avec des sabres, j'ai vu des gens qui menaçaient, je connaissais des gens, quand ils disent t'es mort, t'es mort. Hein. Donc ce n'était pas une façon de parler? Non, ce n'était pas une façon de parler. Moi, je comprenais. Alors, quand c'était une façon de parler, moi, j'en parlais même pas. Même quand on me disait dans les médias, tu étais menacé, je dis oui, alors. Mais après, quand tu vois la présence physique des gens qui veulent te tuer, c'est là, tu dis, oh, attends, j'ai pas envie de mourir en martyr. Hein. Non, je suis jeune, j'ai envie de vivre bien ma vie, de vivre bien, de voyager, de circuler, de rigoler. J'ai pas envie de mourir en martyr, je m'en fous. Mourir en martyr. C'est ce qui a bien failli arriver à Nouri Bouzid, le père du cinéma tunisien. En avril 2011, il est attaqué par un islamiste et blessé gravement à la tête quelques jours, et c'est tout sauf un hasard, après ce meeting d'Anada. Ce soir-là, Psychoème chantait. Certes, ce n'était qu'une chanson, un rap, mais celui-ci contenait un appel au meurtre contre le célèbre réalisateur. تجل هذه القدرة نعطيهم بكلاشيكوف كيما صحيبنا ذاك اللي عمل الماكينغ اوف قالك انا نلوج على المنهج الصليبي بيان سور مش القران لا القران هذاك قديم ما عادش يواكب العصر لازمنا شيء جديد علي سيدنا الزيد يا مسيو نوري بوزيد اليوم كثرة يزيد يسالي كونتر الحجاب C'est lamentable, mais tout le monde prend les choses au premier degré. C'est-à-dire que, et donc demain, dans une pièce de théâtre, s'il y a le rôle d'un mécréant, on peut aller le flinguer parce qu'on va dire, oui, mais toi, t'étais musulman et tu es devenu athée. Tu dis non, c'est un rôle. Ah ben, on s'en fout, on t'égorge. Nous vivons dans une société qui n'est pas dialectique. Essayez de convaincre un islamiste qu'il a tort. Ça dialogue pas, ça dialectique pas. Ça n'échange pas, ça assène. Le danger est partout. Le ministère de la Culture condamne certains artistes pour leur provocation et bien sûr leur blasphème.
et parfois les emprisonne. Ce jour-là, au palais de justice de Tunis, deux jeunes artistes, dont un rappeur, pas islamiste celui-là, étaient condamnés pour outrage aux bonnes mœurs et diffamation. 1 an et 9 mois de prison. D'un changement économique réel, d'un changement de justice pour les gens, d'une vraie transition démocratique. Et au final, la seule chose vraiment tangible, réelle, qu'on a et qu'on vit, qui a changé nos vies, c'est un peu plus de liberté d'expression. Et c'est justement dans ce champ-là, aujourd'hui, que l'attaque la plus véhémente est menée et qu'on est en train de réduire. Et là, le tour de vie, c'est très symbolique. Les deux jeunes hommes qui passent aujourd'hui, que ce soit Weldel 15, le rappeur, ou Saber Mraihi, ils sont finalement poursuivis pour avoir dit non. Ils sont poursuivis pour tamarrod, pour rébellion. Donc en gros, ce qui se joue aujourd'hui, c'est encore une fois le procès de la révolution. En gros, le message, c'est restez chez vous, fermez vos gueules, ne refaites plus jamais ça. C'est fini, on tient le pays. Ça annonce très clairement le projet dont ils défendent, très clairement, le projet d'un État de dictature pire que la précédente. Cette fois-ci religieuse, et c'est pour cela, moi, en tant que réalisateur, que citoyen, j'ai jamais cru que l'Occident a avalé cette pilule à ce qu'on appelle un parti islamiste modéré et démocrate. Ça n'existe pas, c'est l'arnaque du siècle. On ne peut pas être contre ses propres principes, c'est de la foutaise. Et là, ils concrétisent leur projet. Au début, ils apparaissent à l'Occident comme des animaux tendres et démocrates et tout ça, mais petit à petit, c'est là leur but ultime. C'est une société totalitaire, fasciste. On savait que les lendemains de cet envol sur un nuage des premières semaines de la révolution, les jours allaient s'assombrir. Mais on ne mesurait pas l'ampleur du désastre. Voilà pourquoi on a osé parler d'un tsunami. L'ampleur du désastre que nous vérifions dans notre quotidien tous les matins. Fadel Jaibi et Jalila Bakar, grandes figures du théâtre engagé tunisien, n'avaient pas monté de spectacle depuis la Révolution. Ce soir-là, c'est la première de leur nouvelle pièce, très attendue, Tsunami. Tsunami. Un mot pour résumer la situation tunisienne post-révolutionnaire. Leur cible habituelle, Ben Ali, a disparu. Il a cédé la place à un nouvel adversaire, l'islamisme. تربع على العرش طبطان وتدور به الموالين اسخط 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 على اللي زرع نار الفتنة كفر المواطنين ونصب روحه على بين المؤمنين اسخط 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 على اللي قتل الحلم قتل الحلم قتل الحلم وقلبه كابوس. Ce texte a surgi comme ça, tout à fait naturellement, spontanément, comme un cri du cœur. Il fallait répondre frontalement à tout ce qui est en train de sévir, on ne peut plus frontalement, autour de nous depuis cette révolution. Cette déclaration de riposte contre une déclaration de guerre, il ne fallait pas qu'elle y aille par des circonvolutions de style. C'est vraiment cette impression que vous avez d'un immense ras-le-bol que traduit votre Un immense pièce. Ras-le-bol. Il ne faut pas confondre colère et haine. Il n'y a pas de haine. Il y a de la colère, il y a de l'irritation, il y a de la désespérance dans ce cri et dans tout ce spectacle. En fait, le spectacle aurait pu s'appeler Srat. Hein. Malédiction. Oui, tout à fait. نعلن اليوم الرابع عشر من أبريل 15 و2000 نعلن حالة الحصار وقد تقرر ما يلي منع الجولان ما بين الساعة 6 والـ5 صباحا مع انتشار وحدات الجيش الوطني على كامل البلاد تعليق الحريات العامة والفردية
والله لعملنا معين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. Ainsi se termine le spectacle de Fadel et Jalila, funeste et effrayante vision. Celle de la constitution d'une dictature théocratique en 2015, pire, bien pire, que le précédent régime balayé par la révolution. Moi, je ne peux pas regretter Ben Ali. Je me refuse à regretter Ben Ali. Pour moi, ce qui se passe maintenant, c'est tout à fait normal. Parce que c'est la réponse exactement à toutes les frustrations auxquelles on a eu droit dans tous les sens. En fait, le Tunisien ne sait pas qui il est. Le Tunisien doit se construire, le Tunisien doit se connaître. Donc le Tunisien doit faire des erreurs, il va faire des choix et voir où ces choix vont le mener pour comprendre. Parce qu'il n'a jamais eu le choix. Alors oui, dans un premier temps, l'islam, oui, mais on est en train de revenir, d'en revenir des islamistes et de Nahda et compagnie. Alors Tunis suspend son souffle. Quelle sera l'issue politique? L'exemple égyptien et ses affrontements et ses morts par milliers font peur, bien sûr. On rêve de miracles négociés. Ils se font attendre. Mais ils ont parfois lieu à Tunis. Dans la solitude de son atelier, la plasticienne Meriem Bouderbala travaille à son œuvre. Portrait hors du monde, mais création bien ancrée dans la réalité, comme de belles et surprenantes métaphores. Attente. Attente toujours. On est tous figés, on est tous dans un questionnement sans réponse, on est tous en attente. On est tous dans l'espoir de quelque chose qu'on sent qui peut venir, et puis on se sent impuissant. Et voilà, toutes ces écritures-là, elles se retrouvent, je pense, dans le travail des artistes. C'est vrai que la dictature nous a infantilisés, et qu'aujourd'hui, on est dans un état qui est proche de l'état de l'adolescence, où on est en rébellion constante, on ne sait pas où on va, on est comme l'enfant qui grandit et qui se débarrasse de toutes ces écorces, tous ces oripeaux. Et que c'est pour ça que je ne porte aucun jugement sur personne, que ce soit nos adversaires ou d'autres. Voilà, on est tous dans cette lutte, dans cette survie. Chacun cherche sa place. On est en fabrication. Mais on n'est pas fini. C'est pour ça que je juge cette période qu'on vit en Tunisie très, très intéressante. Et c'est une erreur d'avoir peur. C'est flippant, mais c'est magnifique aussi. C'est un laboratoire. Je dis, il y a encore plein de conneries qui vont se passer, il y a plein de choses qui vont peut-être faire mal. Mais j'aurais encore plus peur si les choses se règlent vite. Parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur qu'on n'a jamais réglés. C'est comme si tu prenais un chantier, tu dis, voilà, les murs sont là, mais tu n'as jamais réglé les vrais problèmes, la tuyauterie, les fondations, l'électricité, l'eau. C'est ce qui fait que la maison est dangereuse ou pas. Tu as mis une belle déco, tout ça, et le reste, ce qui est à l'intérieur, ce qui est derrière les murs, n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, c'est un chantier énorme. Il faut qu'ils comprennent les choses et qu'il faut que ce soit bien installé. Peut-être nous ou les autres sera une génération sacrifiée, mais c'est pas grave. On n'est plus dans la berceuse, on n'est plus dans les faux-semblants, on n'est plus dans les tout va bien, on est dans la merde. Donc, mais ça bouge, ça vit, c'est des vraies forces, tu vois, c'est des forces vives qui se combattent, qui se régulent, c'est comme un organisme. Si tu fais un garrot, ça se nécrose, tu vois, on était à la limite de la nécrose. Et là, ça fait mal, ça revit, mais ça revit, ça fait mal, mais ça revit. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça que je crois par rapport à la Tunisie. Mmh.
revoir aux artistes et salut à eux. Nous avons senti les craintes et les dangers, évalué les peurs et les menaces et surtout espéré avec eux des lendemains de liberté. Énergiques, prolifiques, sensibles, les artistes, ici comme ailleurs, sont des vigies, souvent.